à l'écoute, exprimez-vous en toute liberté. Bandeko batali mbote pe matondo akolanda émission à l'écoute ko bozali na mon message na kolanda wapi to memela bino bana mboka ya mayele pe ya bwanya pona ko manyula mambi matali intérêt ekolo lelo toye na invité yoyo nano bo monate ezali bongo acteur ya société civile azali responsable ya ONG babengi IBGDH maître Donat Kambola to kolobela mingi penza ba activité na ye pe rapport oyo 3 ONG dont ONG na ye bimisi pas au courant pas de courant na makambo etali botongami ya barrage hydroélectrique ya Busanga na Grand Katanga tokokota ngo penza na mozindo po makambo ya minene batami kuna ye akomeka kosembolela biso pe totuna mbuma ya misala oyo asalaka mpona intérêt ya population soki solo emonanaka maître Donat Kambola mbote na yo pe boye malamu mbote merci pour l'invitation na yo. Voilà bandeko balandi na signale bino ke auti fraîchement na kolwezi na etuka ya lwalaba epa ya gouverneur Muyeji Mangenzi kasi toko beta masolo a politique te toko beta masolo o etali ye société civile pas au courant pas de courant. À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté. Liboso ya bapanzi sango nde masanga société civile Misatu Afrewatch IBGDH PARS batalisi na mpoisa rapport pas au courant pas de courant vendredi 20 décembre 2019 simakoti mola na mozindo projet hydroélectrique ya Busanga misala ya site hydroélectrique oyo ezali mbuma ya boyokani kati na RDC pe ba entreprise chinoise o esengeli ebimisa 240 MW ya lotiliki ekosunga ba entreprise minière ezwami na ex-province ya Katanga ndakisa asikomine lelo soki masanga ya société civile misatu o ematisi mongongo ezali po bokaboli ya bapara ezali na sembote ekolo RDC o asengeli na 50% atikala kaka na 25% pombula matadi hasi adefa 328 millions de dollars kaka na ba entreprise chinoise oyo kutunzela eleka eyebanite selon masanga ya société civile na 25% o etikali na ngambu ya Congo démocratique bokaboli nango pe kaka mobulu maître Donat Kambola atalisi ete pole ezali te soki omoni montage ya projet hydroélectrique ya Busanga eza na deux parties partie ya liboso eza partie congolaise eza représenté na Jegamin, SNEL na Congo Management. Côté chinoise, eza représenté na Sicomin. Déjà Sicomin a zoya na projet oyo sans Jegamin, alors que Jegamin aza associé na cadre ya Sicomin. Wana déjà flou à liboso. Flou ya mibale eza na côté congolais. Congo Management eza entreprise privée. Boni yango ekozwa 15% sur les 25% oyo l'état congolais aza nango. Et puis j'ai Camille Nazara na 7, Snell Nazara na 3% à part. Tokoki ko bakisa na flo na tolobi. Déjà en 2012 avant Siko Hydro ezala créé na 2016. État congolais ezwa 328 millions de dollars et après pour na participation na un projet. Mais bongwana ezo ebana eza wapi? Parce que ceux qui ezala qui affecté na projet. Donc l'État congolais a l'ingaz à 50% et à part dans le projet. Pétition, et puis ça mis la présidence de la République, puis le Parlement a été intérêt à bailler Congo démocratique dans le projet Oyo, et ça a menacé et lobby Freddy Kasongo, il y a ERS. Kala, tu as réponse T. Tokoma Mikanda, tu as réponse T. Kala. Si Koyo, tu as une opportunité. Ce qui est sali, ma cassité, lelo. Biso ba congolais tokokota nyongo ya 328 millions de dollars ou peut-être ba mutumoko mibale ou misatu baliaki na mituna biso IBDGH ARS pe Afrewatch exige kocha na journal officiel mikanda ya ba entreprise pe ba statut ya Soko Hydro Coman pe boyokani ya Busanga na tina ya koyeba solo
boyokani oyo ezali kati na mbula matadi pe ba entreprise mosusu na projet hydroélectrique ya Busanga tolobi tibokoyoka. À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté. Tomoni rapport au Bosali après enquête Bosala qui na Oitali Botongami ya on a aussi pourtant un combo barrage hydroélectrique ya Busanga Toyoki déjà basu qui a moto comme côté les mina batu mais quand on vous expliquer biso pas de courant pas au courant et animé pas au courant pas de courant et ça titre à rapport to publiaki déjà na 2018 et rapport ça concerné par résultat il y a recherche aux trois organisations société civile et salaka na 2018 à propos ya barrage hydroélectrique à Busanga et barrage hydroélectrique à Busanga zanini ça projet ezo au salama na plus ou moins 80 km na ville à Kolwezi na kati ya projet wana ça côté moko gouvernement congolais azo représenté na kati na Jegamin na SNEL, na entreprise moko privé Tobenga Congo Management à sigle commande et puis côté mosusu eza gouvernement chinois mais yango pe ezo représenté na Sicomine sino congolaise de mine donc projet wana il faut corréler ango na projet na fameux contrat Tobenga fameux contrat chinois au République à signaka na ba chinois je crois en 2008 na projet wana ba pesaka état congolais gouvernement congolais 6 milliards de dollars na kati ya 6 milliards 3 milliards et singaki ko salisa ba réaliser Tobenga ka ba infrastructure de base et puis de l'autre côté pour na kuzungisa mbongo wana il fallait ko développer projet minier moko yango nde Sicomine mais Sicomine pour na sala eza besoin na courant et yango gouvernement congolais na gouvernement chinois est monté projet hydraulique à Busanga d'abord pour nous alimenter ces communes mais eza makambo ya business na kati yango kuna gouvernement congolais aza à travers Jegamine SNEL na Congo Management aza na 25% ya part alors que de l'autre côté ba chinois baza na 75% ya part mais ceux qui ont été nanazo représenté par intérêt à l'État congolais, on a des magambois bandi. Déjà, j'ai gagné nazan à 7%, et pourtant, si tu as Busanga, ils ont la propriété à Ebani, ils ont propriété à Jegamine, et Jegamine a banda que ça la maintenance depuis tout le temps. Jegamine a la propriété à la citoyenne. Esnel et Ebani, Esnel des sociétés d'État où est-ce que magambois ni y a quoi? Alors, Esnel a la gagné 3%. Et yango ni balé entreprise à portefeuille à l'État et ça a 10% dans le projet wana mais entreprise privée moko yebani bien té mais ezo to benga bazo benga ngo Congo Management yango ça a 15% dans le projet wana déjà to mituna comment entreprise privée et koki ko représenter l'État congolais dans le projet ndenge wana à hauteur ya 15% et lobby que tango ba dividende tango ka bola ba bénéfice privé à cause à 15% alors que l'État congolais cause à 10%. Et puis na kati ya projet on a na rapport tozola ki sake déjà na 2012 tango ba négociation na kokoma na place wana na linga kotuna bino boali bato ya société civile ya ndenge ni tomona ka bato ya société civile lawa baloba ba peur ya lobby kuna oh société civile a lobby IDP sa lobby kuna société civile a lobby MLC lobby société civile a lobby et bazo kabola ba poste kuna to mona ba société civile ti ba kota ba politique tout ba kuma ba ministre et consort mais bino nazo mona bozo lobela makambo o ezana na relété na makambo ba société civile na biso avec chassa notamment to mona ba Evraka et mais quand on vous expliquer biso différence pour côté lui on a mon anzila beaucoup côté la té bon c'est normal que bozoa différence entre société civile ou bien ba partenaire à société civile à bazar ça na Kinshasa na biso to ça na ba province net biso spécialité na biso eza makambo ya ressources naturelles gouvernance à ressources naturelles eza makambo ya énergie droit d'accès à population à énergie eza makambo ya protection et environnement bon ba mususu ba bango ba lingi
basala auto bengi ba droit civil et politique effectivement tant que ça période à kabola ba poste ba mozo ba komiko wela ya wana za expérience à Kinshasa et puis na ba province pays ali mais biso toza ma ONG ba association citoyenne et toza a politique donc to lande la magamba politique te bien sûr comme citoyen to ko ki ko débattre magamba politique to ko ki ko lobela et loko pe moi moke na programme politique mais spécialité na biso eza magamba protection des droits de l'homme, gouvernance à ressources naturelles, accès il y a des populations qui na électricité et puis la protection environnement. Maintenant, comment différence? Projet hydroélectrique il y a Boussanga Oyo. Moi, je sais que ils allaient évaluer na ba 660 millions de dollars si j'ai bonne mémoire. Bino Bokeko côté l'ango place nini et c'est un projet qui date de très longtemps au tukoloba awa banda 2012 et puis il est eu corps en 2016 mais les lotos a na veille à 2020 parce que tous allés le 21 décembre 2019 bino IBGDH boke kokundo la makambu oyo pona nini parce que bozala qui intéressé et bomoni que par na bino ezo kende na ndenge ya ko limwa il faut bol la musami limo ou bokote li yango na angle donc ce qui faut to la musami limo il faut la mboka parce que eza makambo mboka bomoni kolozi lo laba eza pays aparte eza toza na Congo eza makambo intérêt national eza makambo pays ndenge biso tozo vivre ngo il faut bakinwa pe bayo kana ba comprendre des anini bomoni na 2006 je crois 2008 débat e salamaga e belé grand débat na pona projet fameux projet contrat comment on appelle ça contrat chinois. Et effectivement, na tangwana ba parlementaire ba mosusu bazalaka pour ba mosusu bazalaka contre mais ba pesa biso ba promesse que par exemple les contrats chinois ba pesa biso cash ba pesa biso liquidité effectivement tout ce que tangi ba contrat te ba protocole 4-4 projet wana gouvernement congolais a des fa 6 milliards de dollars quelque chose comme ça na kati a 6 milliards 3 milliards elingaki est financé ba travaux et infrastructures publiques na amélioration ya vie ya population ndenge na 2011 yokaka ba loba makambo 5 chantiers. Financement à 5 chantiers, il y a un contrat chinois. Donc, il est important 2008, 2011, 2019, tout ça, l'évaluation, contrat chinois, et bon, combien déjà essayé Pessami, Namongana et Salinini, à Kinshasa, dans la province, finalement, dans le pays Mobimba. Parce que Cobalt, il a exploité dans la colonie, il a Cobalt, il a colonisé dans la BTK, il a Cobalt, il a Congolais. Donc, il a cuivre dans Cobalt, il a Congolais. C'est normal que biso comme association citoyenne, biso comme activiste à droit de l'homme, peut activiste à société civile, tout réveille attention à la population potoloba. Attention, le gouvernement a biso et signé en 2012 contrat na ba chinois. Na katikati ya contrat wana eza makambo ya charité te, eza makambo ya nyongo. Donc ya ba intérêt ba chinois ba pesi biso mbongo autant pour réaliser projet X. Est-ce que projet wana eza bénéfique na population ou eza projet eza bénéficier quelques personnes ou quelques dirigeants seulement. Yango intérêt ya kolobela makambo wana. Tolo ba makambo wana te parce que tolingi tel te ou bien parce que politiquement tous alignés et bien moi mon bino intérêt ni bénéfice ni tout tiré dans ma projet en dingue wana donc déjà la bande globale que ma intérêt a été congolais donc il y a biso peuple congolais ils ont représenté dans projet wana na trois sociétés société à liboso ils ont Jekamine na zana 7% bon tout na point ni Jekamine na zana 7% et boyebi associé unique à Jekamine ils ont l'état congolais donc nous peuple congolais à travers ma institution ma dirigeant la biso est ce la zana na 3% mais boni entreprise privée au yebani a ta bien te baramoko e komi na 15% donc flou obino bo se pena ngote ndeya mwa wana des flux à Liboso, ils ont flux intéressant parce que et puis pendant nini gouvernement congolais a ça qu'à 25% parce que la place à 50% par exemple parce que topé ça déjà moi parti à fleuve
barrage est salama na fleuve Congo ba ba tirer mai na fleuve donc déjà eza fleuve eza bien ya peuple congolais tope ça déjà site eza peu mabelé mais population yo vanda ka pembeni ya nini pene ya projet déjà eso subir ba impact négatif ba tomaso ba perdre déjà ba chan na bango ba subir ba délocalisation bango baza ba congolais neti biso alors ceux qui ba délocaliser bango pona kotonga nini construction à projet wana mais en retour va profiter ni déjà va gozo courant ngo wana te parce que nazala ki na terrain à 80 km de Kolwezi population ils ont vivre sans courant et ça bien projet ils ont salama pembe na bango mais dans 2 ans 3 ans après construction à projet que ba population na et kozala na accès à courant yango na zo mona que quelque part à tolo ba rapport na bino ezo ko diaboliser projet wana te. Pour Nami Mona que projet Oyo, il faut normalement, d'après le document de Tangi, faut peser à 240 MW. Il y a le Tili qui est énorme à la fois pour le fonctionnement. Il y a l'entreprise minière, Olelo, ils ont une grande machine, ils ont financé le budget, il y a Mo Kanabiso. Et puis ça pourra aider les étudiants, les professeurs, il y a contré Wana. Pour na lotili ki boni bino boni ko diaboliser en ko benga population na ya ko fungola lisu ya ko se soulever eza diabolisation te eza diabolisation te eza plutôt devoir citoyen parce que ceux qui ont une constitution PC biso ba droit ya ko défendre ba intérêt en boka pe ko sa la pour na développement eza devoir à motonyoso donc c'est important en attendant yo motonyoso aye ba que projet moko ezo salement na Kolwezi na kati ya projet wana 170 MW et que ça il ça sicomine pour la sicomine et ça la ma bien et ça la mesure ya ko produire pe ko rembourser dette auto zoka et pas va chez nous wana ko kubosa na ngote après o etikali population et ko zola na accès ndenge nini parce que il faut tango boza pe menya barrage courant et le gabino te na likolo il faut bon bino pe bon profiter y a quoi avantage te donc c'est important pour na bakinois surtout pour na bakonzi ya mboka bazana Kinshasa ba m'intéresser na eloko wana batala denge nini commande azana kati donc et ça la ma kindenge nini pour la commande entreprise privée et kota na kati attention puis à 15% et puis à 15% mais commande ezana ni faut to le belango clairement il y a mon question na ngape linga ke ya après banquette na bino comment neza nani entreprise ceux qui ont tangi rapport to lobby pas au courant pas de courant pas au courant parce qu'évidemment information ezo tambola te ma kambo ebele o etalili projet Busanga OK na journal officiel OK na ministère ya énergie okuta ba document eza mais eza accessible te donc eza biloko neti ya ba quelques initiés kaka alors que d'après mon engagement à l'état congolais transparence il faut ezala parce que c'est ça la lutte contre la corruption il y a un peu besoin exiger dans la rapport exiger par exemple déjà ba publier convention o ezala signé entre l'état congolais na ba entreprise chinoise pour te ba na kati ya convention na ba droit à l'état congolais zanini neti ba taux d'intérêt ya remboursement ya mongo bazoi pa ba chinois eza ndengeni ça c'est un de deux il faut que le bela magambo commande magambo ce que kay na Lubumbashi na guichet unique et si ka ba créa ka ba société biso to kenda kuna mais tokoki koyeba exactement comment azanani de quelle personne physique au motonani aza vraiment dans détenteur ya commande et effectivement mais ezanani tout le bango na poisson non ayebanite parce que comment les alliés entreprises congolaises les entreprises à droit congolais les entreprises à droit congolais to mona ki ba associé baza ba congolais effectivement mais na bosenti ne ba komo na bango awa mais ce qui est normal ce que je document na to benga RSSM ba komba ba to ezali mais ba adresse na bango ezali te ba date de naissance ango pe ezali te et puis ça document non signé au moins déjà en droit document na comme na ba faiblesse belé mais gérant ya komana ebani gérant kobana ya komana ebani aza personnalité privée limbisa na kotanga na komo na ya te mais na rapport aussi to komi komo na e donc rapport ezali déjà en ligne so que par exemple na site ya Sainte Carter ou même si aucun internet na Google
Okoti sera ka Busanga okomona rapport ezobima. To si to tanga komba madame wana aza gérante toza na problème na ete mais c'est ça intéressant parce que madame wana aza nan aza peu agent na bureau ya coordination ya suivi ya programme sino congolais. Bureau ya coordination et de suivi ya programme sino congolais yango nde entité ya l'état oyozala elle ça la suivi ya programme la collaboration entre l'État congolais et l'État chinois. Au moins, déjà, gérant, il y a commande, il y a agent dans le pays. Donc, ils ont créé un français, conflit d'intérêts. Mais est-ce que ils ont ou bien il y a un prêtre, non, il y a un bazar dans le cadre commande. On a une recherche, on a continué, mais avant de publier le rapport, on a adressé un questionnaire dans le bureau de coordination et de suivi de Sino congolais. Et tu adresses un questionnaire par deux fois, même lobby, tu tika ki mokanda mokokuna, tu renouvelles le questionnaire parce que biso to koki ko sala ba affirmation gratuite, mais tu senga fe sa biso information. Mais ba hypothèse eza ke comment eza entreprise ya bato bazana ba grande fonction na gouvernement pas gouvernement oyo ba mandat déjà kala et eza ba grand politicien ya mboka oyo alors crainte eza ningi ningi eza te ke 15% ba intérêt à l'état congolais na projet hydraulique à Busanga ils ont gagné pas avoir individu plutôt que pas à l'état congolais. Alors s'il faut qu'on avance to lobela ki osala ki kolobela makambu ya 328 millions de dollars américains et même na rapport na bino bozo senga transparence kenda wapi projet ezali ya 660 millions de dollars américains maintenant 328 millions au wana bah entreprise chinoise et des kesa ki ba pesa ki nani et puis pour na nini en principe tout tangi rapport na biso pe ba document mosusu à travers Interpol na projet Busanga financement ya projet donc ya barrage ya construction ya barrage ya Busanga pe na ligne électrique ko za la transport ya courant ezala ki estimé na 660 millions de dollars et ils ont dette ils ont donc nyongo mais nyongo na neti na projet ils ont deux parties partie congolaise na partie chinoise il fallait donc chaque partie a contribué na moins d'ambo c'est comme ça que l'entreprise chinoise et pesaka gouvernement congolais déjà en 2012 montant à 328 millions de dollars à titre d'abord à crédit en faveur à l'État congolais, mais pour l'État congolais à financer participation à e, à contribution à e, na projet Busanga. Wana nde toyebi. Et na l'État salamo participation n'est invisible. Zela na sila. Donc on constate que deux réunions il y a conseil ministre à l'époque avait basala déjà à l'ison à Bongwana et puis na ba cadre mosusu gouvernement chinois a déclaré de que c'est Bongwana. Donc Bongwana et Bimaka et pas ba chinois mais Yébanité awa na Congo entité nini et captain Bongwana et puis Bongwana sani parce que déjà en 2016 en 2012 Siko Hydro ils ont là qui n'ont fondé Siko Hydro ils ont entité et ont réalisé projet sur terrain ils ont entité ils ont réalisé projet sur terrain yango ba créé en 2016 mais bon ils ont là qui décaissé en 2012 tu vois déjà donc Siko Hydro entreprise il fallait ils ont Bongwana ils ont là qui n'ont créé donc Bongo et comment il pas le gouvernement congolais mais Ezawap. Est-ce que ceux qui va affecter Ango na projet Siko Nini Busanga, alors pourquoi Nini l'État congolais a 50% et mais a 25% donc Yangoana ezo la kisake flou ezali bon biso to lobi ke mon mwana ba detona ki ango to lobi wana te mais to tout na kaka mon mwana eza wapi so ki mongo ezali ba fekta ki ango na nini parce que entre temps so ki mongo e bima ki e pa ya ba chinois et que aujourd'hui ba chinois bango bazo financer construction ya Busanga bango moko donc ba kozala na to kozala na nyongo combien projet ne kozala na nyongo ya combien il y a presque 998 millions de maintenant la question là il faut qu'on adresse à mon anani na parlement na gouvernement na présidence de la république donc ils ont question parce que ils a mis sur les belles ou l'état fois fouta ils a question ils a concerné bisogno soba congolais il faut mutunyo so o a lingi mboka a zwa question na a relé message et pas a lingi donc ba confession religieuse ba association socioculturelle ba parti politique ba association à société civile ba institution à l'état
bakoki ko s'intéresser na question yo mais biso comme ba ONG sala ka recherche to sala ki lobby pétition to adresser ango na honorable président de l'Assemblée provinciale plutôt président de l'Assemblée nationale pour que yep na niveau na e a bande la débat bon ba député faut ba débattre dans la question na batuna ministre ya énergie par exemple batuna président de la République parce que il faut rappeler que ma question est allée collaboration entre Chine na Congo ils ont ba question exagéré na entité moko to bengi bureau coordination et de suivi ya projet sino congolais na entité wana ça dépendre directement na présidence de la République et c'est comme ça que biso pe to sala ki pétition to adressé à ngo na chef de l'État oyebi Nicolas chef de l'État zolo de la mingi makambo ya lutte contre la corruption makambo président Nicolas président zolo de la mingi makambo ya état de droit et donc c'est important tout état des droits constitution et PCB ce droit tout comme pétition et ce comme pétition dans 3 mois il faut autorité ou agent à réagir pour baser et espérer tout déposer qui le pétition la bison la présidence tout PC 3 mois soit dans 3 mois président à répondre bison c'est pélissa bison peut-être que dans 3 mois président à quoi interpeller il faut pas qu'on bosse à la gagne des premiers citoyens et en bon cas donc il y a une des premiers citoyens à ça intéressé dans madame Botolo Bela parce que population à Golosi est la courant population à Golosi déjà ils ont délocalisé pour la Makambabu Sanga mais en retour ceux qui population par exemple ils ont perdre ba terre na bango ils ont perdre ba rivière bon en retour bénéfice nini tozozo est-ce que tu ko tika 328 millions et bunga kaka boye parce que ba tomozozo ba soa ki mongwana batongi mambako mandako bandako na bango parti pala batindi bana na bango na bapoto mais biso to peuple zonyo kama kabo et puis na lingina sila omoni partenariat au gouvernement na biso zo sala na FMI bagenda ko senga ka une affaire à 300 millions de dollars. Or, si on a FMI 300 millions de dollars, mais si on a 328 millions, beaucoup est banni. Donc, bon, vous êtes en Congo avant tout le cas, bon, 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 près d'un an, il y a pouvoir, il y a Félix Tshisekedi, si vous avez une information au Carapo, pour relever, dans l'analyse, que coopération au Banda en 2012. Vous avez le lot pour la Nini. Parce que le président Kabila n'a pas de pétition, ou bien vous avez pétition, ou bien vous avez une banga, ou bien vous avez concerné dans ma Kamboyo, ou bien, président Félix. Pour la Nini, vous autres. Pour que nous avons continué à l'Assemblée nationale. Tu es en présidence, en tout cas, tu visé le président Félix personnellement. Tu visé ma institution à Bissot. Il faut que ça soit clair. Donc, tu visé mon côté, tu visé ma responsable à Bissot, et que tu visé Félix, et que tu visé Yo, et que tu visé Kabila, tu visé ma président à Bissot, ma autorité à Bissot. Peu importe, mon toisard animateur ou ma institution. De deux, effectivement, projet Banda déjà en 2012, mais ceux qui ont déjà étude d'impact environnemental à Sikomine, en 2013, déjà Sikomine à Banda a annoncé probable construction il y a barrage il y a Busanga et on est allé quand on a mis Kanda ils allaient projet mais mise en œuvre à projet et bandit effectivement vers l'année 2014-2015 mais c'est beaucoup plus vers l'année 2016 que na terrain na Busanga précisément dans le village à Kipindi tout le monde a dit que barrage batavo et bandit mais tous allaient qui curieux. Ah, barrage et bandit, engagé. Non, camion, moussous, et les kaki, non, camion, mouboué, et bunga qui pont, tel part. Alors, voilà, réveil, curiosité, la bisonne était basse. Hein. Il faut tout comprendre, les nous salam. C'est comme ça que ton banda, tout ça la recherche. Avant de tirer ma conclusion, il fallait tout ça la nano recherche. Tout ça les recherches, je vois ton banda vers décembre, tout novembre 2017, mais septembre 2018, donc une année après, tout ça n'a pas résultat, tout ça n'a pas réponse. Dans la question d'Abisso, tu publies un rapport. Bon, après publication un rapport, tu bandis, tu bengi plaidoyer.
plaidoyer toi il faut toi tirer attention à ma décideur pour situation de terrain est changé yango to utiliser presse to les gars la presse to comment to qui dépend à l'autorité ou ayambibino pour discuter naé mais jusque là personne n'a joué à Maliso. J'espère qu'à travers ma mission et ma mission et comme à Mato il y a autorité et puis quelqu'un peut s'intéresser à la question parce que la banda qu'on rappelait que ça question d'intérêt national, les a question il y a compétence, il y a gouvernement provincial, les a d'abord question d'intérêt national où ils a géré à Kinshasa. Et c'est des questions d'intérêt national gérées à Kinshasa. Parce que répondre à la question qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas dit tout n'a pas pour Nanini ou ça qui a monté pendant que le président Kabila a qui n'a fonction ou celle en haut. Attends, mais il est quoi fini, tu sais. Na réponse, que projet de bandage effectivement vers l'année 2012. On a une conception, mais réalisation sur le terrain est bandit vers l'année 2016-2017. Donc tout ça, tout est d'étape par étape. 2016, 2017, 2018, tout ça les recherches, tout confirmer information sous. Au moins, tout ça société civile, mais il faut. Oui, bah, la société civile, avant, il y a Colombela et Loco, il faut vérifier en gros. Sinon, bah, quoi qu'ils aient, bah, diffamation, bah, quoi qu'ils aient, que Olingi Moto, Olingi pouvoir, t'es. Mais autre Colombela, ils ont Magambo vérifié sur le terrain, tu publié en gros, tu as dit que la méthodologie scientifique, non seulement le but que tu as le bâti, il y a qu'à te débattre, il y a qu'à te servir sur l'information. C'est comme ça qu'on a dit que déjà, par exemple, avant de publier le rapport, tu as mis là questionnaire, pas il y a bureau de coordination, de suivi, il y a coordination sur le bâti. Il y a qu'à te servir sur l'information, mais tu as mis là couloir. Tu as dit que l'information, il y a qu'à te servir sur parce que sinon, il y a qu'à perdre le poste. Donc, ils ont confirmé que fou moi, il y a qu'à te il y a projet wana c'est important donc aujourd'hui évidemment ils ont opportunité que ils ont moi alternance c'est ça la mine à pouvoir ils ont opportunité et il y a deux ans tu m'as dit que le magambo était des droits mais ah tu le magambo était des droits il y a deux ans tu m'as dit que le magambo peuple d'abord mais ah et comme il va se loger et comme il même n'a pas qu'il va ligne de conduite il y a gouvernement actuel donc ils ont opportunité pour abysso battre la société civile que tu rappelles que mokozi yo lobby non ça la lutte contre la corruption cheval de bataille, tal la paix ma cambo, il y a un autre salle, donc ils ont la volonté citoyenne, ils ont que ton visé moto ou bien ton banga qui moto, non, à l'époque, il faut que le baquet, tout ça, il n'y a pas d'éléments de sauter. Il fallait tout ça dans nos recherches. Si nous avons mission, ça signifie que nous avons information. Alors, peuple ou Azali propriétaire, s'il faut. Qu'on place dans Isika et Sengeli, il y a un projet, il y a part, il y a un Congolais. Bozo Sengaye a ça la ligne exactement, Bino Masanga Misa, tu as société civile dans le cambo projet. Ce qui est le rapport, c'est que je suis une recommandation, je suis intervenant Mingi, mais pour le peuple, tout Sengaka, il faut. Se prendre en charge, hein, mais se prendre déjà les années, les pour créer un débat pour que je puisse faire un débat. Poser ma question à ma député, poser ma question à ma cousine, et ma cambo à Biandengo et Tozoyoka, et Zanengeni, pour que ça puisse expliquer. Parce qu'il faut peupler que le gouvernement congolais, peut-être l'État congolais, depuis 2005, adhéra à une initiative pour la transparence, surtout bien à ITI. Et ça signifie que dans le secteur, l'État congolais a une obligation à la transparence, et puis le peuple a un droit à l'information. Donc, nous sommes il faut. Souverain primaire. Mais il faut que tu aies tout le monde. Tu chaîne, la population est au Lobela, la population est au Magambo. Mais de l'autre côté, il faut que l'autorité soit basée sur la culture pour rendre compte. Donc, tu as posé le problème. Tu as posé le problème. Non, non, non. Parce que l'organisation de la société civile, ils ont une information à bien, tu as l'information à bien, bien. On s'appelle peut pour évaluer. Pas de courant. Pas au courant. Pas au courant. Pas au courant, pas de courant, vice versa, c'est la même chose. Alors, Bino, elle bosse à la banquette, beaucoup t'en as la difficulté. Ah, bah, difficulté, ça, ça est belé. Par exemple, déjà, bah, service à l'État est belé, bah, ça, méfiant. Sous bon information kokita ok atana ba bureau ya ministère okutani na conseiller moko okutani par exemple na directeur de cabinet moko aimsera bon
en tout cas information ESA métropé ça été déjà on a une grande difficulté que bas service à l'État mingi baso copé ESO copéreté donc ESA transparenté ESO et bas que peuple azan a droit information et ceux qui ont ces informations il faut beaucoup servir ces informations on a la première difficulté. Deuxième difficulté c'est que dans cadre rapport bas document est belé ESO ESA dans domaine public ESA bas document n'est pas document secret ESA n'a pas tiroir à bateau et pourtant il faut ESA là na public on dingra bandai golob. Troisième difficulté, ils ont moyen. Ils ont moyen et tous ont ba ONG local. C'est vrai peut-être que dans cadre projet tous ont moins financement, n'a pas partenaire na biso. En tout cas, tu travailles dans un partenaire ressources mater, dans un groupe d'études pour le Congo, et ça, organisation internationale, on va appuyer techniquement et financièrement. Mais ils ont un financement limité. Pour un seul voyage, déjà, on a qui t'a colosé pour un aroma Kinshasa, on a 3-4 jours à Kinshasa, et ça passe. Parce que moi, déjà, été, mais ça a sacrifié tous les jours. Donc, la difficulté, ils ont belé. Mais la difficulté. Sur le plan sécuritaire, peut aller. La difficulté, moi, c'est ça, par incompréhension. Tant que vous avez un politicien moko fanatique moko boye à l'Afghanistan et oligui chef te ou bien aux ennemis à peuple alors on est à ma incompréhension mais bon tout ton dimanche à bisou mosala ou à quoi le bel amagambo à mot capé n'a pas sali sa bas communauté donc ils arrivent qu'ils a pris à payer mais bon sinon tout ça va colo tout ça affronté en route méfiance au bas institution ou bien bas bureau moussoussou. Ils ont parlé vis-à-vis de la bino et de la bino, c'est la bino de l'information. Ce n'est pas lié à un comportement, il y a ONG, il y a Congo, RDC, ou Ivrana, RDC. Parce que, notamment, on a une réponse à eux, ceux qui ont été dans le site, il y a centre Carter, rapport Isali. Centre Carter, tu es bien, Isali, il y a un Congolais, il y a un Américain. Donc, il y a un peu de temps, il y a un agent, il y a SIA, côté de l'information, il y a un peu de temps. Wana ils ont faux problème. Soi n'attendit sans carter, sans carter les a abandonné. Wana n'a pas non mais il faut tout le belango bien. Il faut tout le belango bien parce que disons que dit comme à sans carter dengue dérange la bateau dans Congo et surtout magambo avec l'élection. Non sans carter les a un programme où il y a transparence, programme à transparence dans le cadre du secteur minier. Bas ça la portail information. Ils a cite ceux qui ont eu l'information surtout dans le secteur minier. Montonio ça peut quand on a la formation y soit là sans garder les appartenir à l'État congolais ça la gagne à bonne gérité ça la peine à l'État congolais sauf que qu'il y a un ministère par exemple des mines au coup kuna que ministère national des mines ça la un partenariat à bonne international les belles yango par exemple parfois même bah fourniture les bureaux ils ont bonne gérité international et sont mal à point à service à l'État et belles donc ils ont exact tous à bas toi si à bas toi tu étais comme information bogaté non ou un exact discours à bas politicien mais bango même bas à bas mon et pas à bas ma ONG internationale à bas pas et parfois mis sur d'ailleurs bas t'es là donc tout exact bas comme bon gâteau zolo de là tant on a zolo de la magambo à Busan tant on a zolo de la magambo à ya Kolwezi tant zolo de la magambo à Mbokananga magambo à Congo donc on a zolo de la magambo à américain toi à belge c'est vrai que pour nous ça mon salaire tous ceux qui tu bénéficient d'un accompagnement technique n'est-il ba formation est-ce que il y a un problème à avoir une formation dans tel domaine par exemple un accompagnement financier effectivement pour nos salaires mon salaire les hommes salaire papa pour au salaire descendre par exemple avec ceux qui écologie Busanga c'est plus ou moins 80 km il faut ok, il faut transport, il faut food. Pour que nous ayons à Kinshasa, nous avons la plaidoie, il faut na besoin de la plaidoie. Donc, ils ont un partenariat et puis, ils ont interdit la loi T. La loi interdit en voté. Ceux qui ont dit bien, ils ont interdit en voté. Par contre, condition et lobby, gouvernement congolais, il faut coopérer et collaborer dans l'ONG, ça là pour le développement. Pour la protection de la population. Au moins, le gouvernement congolais a appuyé l'ONG internationale, l'ONG locale. Ils ont la gâte. D'accord. Alors, Mikolele qui a publié dans les réseaux sociaux. Rapport Moussousou, on a basé sur le Bélango, on l'a dit pour Yuris Mianteza, Azola Xanga, Mometigali Moukien. Mais il y a un rapport, problème, mais il y a un rapport où on a des amis, il y a un rapport. Tu publies qui rapport Moussousou, c'est le 30 novembre, dans la Colosie.
rapport wana tuintitulé yango entre paupérisation, entre réforme, paupérisation et enrichissement sans cause. Et ça lit rapport au y a enquête au ONG Nabiso et Salaka de novembre à plutôt de juillet 2018 à novembre 2019. Mais ils ont allé là, ils ont évalué presque réforme et artisanat minier dans l'Olaba parce que dans l'Olaba. Et ça, dans le quartier, il y a un quartier où il y a une exploitation minière depuis 2014. Alors, c'est vrai que les gens ont un bon passé dans l'exploitation artisanale, ils ont un appartement à Bango, mais ils ont une conséquence de la perte d'accident, la perte en vie humaine, un impact négatif dans l'environnement. Et ça ma critique est belée sur le plan international contre Cobalt Nabiso. C'est comme ça qu'en 2016, après découpage à Grand Katanga, Excellence Gouverneur Nabiso a joué la décision de rationaliser l'artisanat, l'exploitation artisanale minière dans l'Alaba. Et voilà que Bingi réforme. Donc, tout ça, la réforme, toi améliorer la condition déjà à la créateur, à l'artisanat, toi améliorer conditions à la population, peu gouvernement et soit profit et tirer profit dans l'artisanat minier. Et à soir engagement et belé, par exemple, il fallait pas bon ça. Zelamoko est lié province à Lola, dans la province à Lomami, et puis il fallait battre et puis bon. Bref, il fallait tout tirer profit dans l'exploitation minière directement sous forme de taxes. Et puis, on a signé partenariat dans l'entreprise Moko Tobengi, Seben. L'entreprise Moko est une filiale. Oui, entreprise minière est une filiale. Il y a un géant minier chinois, il y a Cobalt. Il y a un grand à travers le monde vendeur à Cobalt, mais il y a un colisie à travers la filiale Moko Tobengi, Congo, Seben. Mais deux ans après, Bissoto, comme ONG citoyen, tout ça, l'évaluation, le lobby gouverneur à Lakaboy, les objectifs, OSA, le gouverneur a signé partenariat à CEDEM, tout évalué en gros. Déjà, il fallait tout tourner combien d'argent en termes de taxes provinciales, gouvernement provincial, et Zouaka dans partenariat. Wana. Et puis, coopérative, et Zanaka Soulouane, et Zan coopérative, il y a moi dans gouverneur. Mais sur quel critère, bah, PSA est marché. Wana. Et puis, coopérative, même Wana, et Zan, paye pas mon sous na site, mon sous à Kapata. Donc, tout soulever la question, mais il est plus intéressant. Entreprise Yangope, avant de l'exploitation à Kassoulo, ils ont un engagement dans le cadre de l'étude d'impact environnemental. Par exemple, et l'Obaga, par exemple, ils ont participé au développement local en construisant des hôpitaux, des écoles, des entretiens. Mais pour ce moment, deux ans après, et l'autre, ceux qui ont fait un rapport, mais ils ont un rapport au Tanga Kango, en termes de pourcentage, et l'autre, monsieur, c'est ça la matière. Mais finalement, l'entreprise, on a tout vraiment la soupe à Yuri, ça a compris. C'est ça. L'entreprise, on a se créé pour un objectif Ninipo. Na ba idée ezo za malamu mais na matérialisation tozo mon logo mususu ba entreprise ko bosa na ke ba entreprise baza kuna pona ba profit na bango eza ba multinational te baza kuna pona ba profit na bango mais problème eza contrôle pas l'état congolais en tout cas depuis ce moment biso to lo ba que autorité de l'état na secteur wana ezate. Ils ont été secteur moko abandonné, population, ils ont livré à leur triste sort, voyez, parce que ils ont à moins 480 familles, ils ont été délocalisés. Sauf qu'il y a une site à l'installation, ils ont été par exemple, il y a une salle d'auditoire moderne, ils ont bien, ils ont une université, ils ont une
auditoire moderne ezali, mais est-ce que ça suffisant? Est-ce que yango développement la population, est-ce que ça la priorité? Et puis ce que tangi ba promesse à gouverneur wa salaka déjà à l'époque alobaka makambwa ya auditoire moderne était alobaka makambwa zela entre province à Olomami na province à Lalaba, mais zela wana deux ans après ezala ndenge moko. Donc pour en clôturer bozo sengali na rapport wana l'état. Non, dans le rapport à Biswana Tosenga, par exemple, que le ministère national des mines est exigé publication et convention entre l'État congolais, plutôt entre le gouvernement provincial et l'entreprise CEDEM. Tosenga, par exemple, que le ministère national des mines est exigé CEDEM à réaliser l'engagement à Zouaga dans le cadre de l'étude d'impact environnemental. Parce que, l'étude d'impact environnemental, et ça document. Et puis ça a garanti et pas à l'État congolais que l'entreprise ait contribué à le développement. Il n'y a pas de autorisation à exploiter. Et donc, si c'est des massacres à salier l'eau côté de terrain. Mais peut-être à salier l'eau pour toi, que voilà, comme une cité moderne, ville qui toque, mouillé, je pense. Pas de localisation paysanne. La publicité, on a la publicité à Bino Média, mais si tu vis dans la ville, on a la délocalisation paysanne et belée. Ma délocalisation paysanne est belée, donc ma destruction est belée pour la grande entreprise minière. Et tout ce qui est rapport, on a par exemple que le ministre national aux droits humains a eu que la Colosie population congolaise et la population a besoin de protéger la protection à l'État. Et la protection à l'État. Donc c'est important que je dise que ma enquête, la béni, la bouteille, je dise la Colosie vis-à-vis de l'entreprise minière. 60% il y a cobalt c'est colosie, mais de la même façon va exploiter mine, de la même façon va impacter ça et bien. Donc l'État il faut s'imprégner de la bonne manière. On a tous ces gars, le peuple d'abord. Bon, le peuple d'abord, il y a un peu tout attendre à mon écologie. Merci, Maître Donald Kambola. Bande au Balandi, Bolandi, Penza, que l'émission OEU, ils ont la bino population, ils ont la bonne intérêt à la population. Ndeto Salaka, Manso Kokundo, la Batoabo, Yébiboué, Baya Kolimoule, la Bissot, ma Kambo, Italie, intérêt national. Na Banzi Bolandi Bissot, na Boke, Bitoton Dibino, de partout à travers le monde. Wapi Bolandi Bissot, na Kosala, ma Kassi, Atako, Bissot, la Baboué, Moukie. Pour qu'il y ait un collège, il y a un peu tout ça, un peu banquette. Tout le monde a pu Makambo, Maître Donald Kambola, Bissot nous avons un partenaire, dommage, mais tout ça, là, ma casse, nous avons un peu. Merci, Yuris Mianteza, Zaki Nassima Kamera, Pé Ousson Yindou, Pépé Sala Miguel, Bango Bazaraki, na montage, Botika Malamou, Tokutani, na édition Moussousou. Au revoir. À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté. Bande ko batali mbote bisika nyonso bozwa mi pona kolanda émission à l'écoute.